Oh putain. Non mais je te rendrai tes 1000 euros, mais commence pas, tu vois. Bon, le braquage, on l'a fait ensemble, d'accord? Donc commence pas. Le patron m'a dit que si j'arrivais à avoir 5 euros de pourboire, bah il me gardait. Ah d'accord. Attends, il y a le patron, je peux pas trop parler. Il y a le patron. Vas-y, je te rappelle, il y a le patron qui me regarde, putain. Mais je peux pas te parler là, tu comprends pas, t'es conne ou quoi, putain. Je vais prendre un coca. Je vais bientôt finir mon service, je peux vous ramener l'addition, ça vous gêne pas? Ouais, ta fille, ça va? Elle a la diarrhée aujourd'hui, quoi. Et ta femme, elle est partie. Putain, c'est vraiment une pute. J'en profite, si vous voulez me laisser 5 euros pour boire, c'est cool. Mais y a pas d'obligation. Frérot, tu peux juste te tenir? Attends. Pardon, excuse-moi. Ouais, excuse-moi, parce qu'il m'avait demandé de mesurer le... Okay, là, Elle est bonne, celle-là, il y a longtemps que j'en ai pas bu. Okay. Oh, elle est délicieuse. Ouais, c'est un bonheur, celle-là. Alors, si jamais vous voulez me laisser 5 euros de pourboire, ça m'arrangerait. Puis je suis nouveau ici, je suis en réinsertion. 5 euros de pourboire? Ah ouais, mais ça sera pas avec moi, alors. C'est vrai? Ah, j'ai 5 minutes de pause, j'en profite. Ouf. Oh, putain. Non, mais je te rendrai tes 1000 euros, mais commence pas, tu vois. Bon, le braquage, on l'a fait ensemble, d'accord? Donc commence pas. Donc là, vous avez pas me laissé pourboire, du coup, c'est ça? C'est mon premier jour, en fait, ils m'ont dit que si j'arrivais à 20 euros de pourboire en une matinée. Non, mais c'est vrai, en fait, ils me prenaient tous les week-ends et ça m'arrangerait, parce que ce serait vraiment cool. Mais, C'est 5 euros de pourboire? Ouais, c'est le deal que j'ai avec eux. On l'a fait ensemble, ce putain de braquage, ok? T'auras ta part. Mais et ça sert à rien de. Tu m'appelles pas au boulot? Sur la tête de ma mère, ta petite soeur, je sais où elle habite. Mais attends, je raccroche. Ouais, non, mais bon, ils sont complètement malades, les mecs. Donc, alors ça, je le garde pour mon pourboire, du coup. Et c'est 4,20€ si vous avez, c'est formidable. C'est quoi? Vous avez pas... Parce que là, je fais un concours, le monsieur m'a laissé 5€ de pourboire. Voilà, c'est juste un concours, voir qui est le meilleur client. Monsieur m'a laissé que 4 tout à l'heure. Si je vous laisse à 2€, c'est... sinon je vais me faire engueuler. 2 balles, 1€, 50 centimes. Mais je vais pas. Ok, non, parce que le rouge il est fort en plus, t'as raison, je comprends. Bon, je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer au chinois là-bas. Si vous donnez 5€, on vous offre une semaine de café. Bah, je vous offre les 3 cafés d'abord. Une petite norme d'hygiène en ce moment là, c'est qu'on fait laver les mains des clients. Vous avez les mains douces, hein? Faites comme ça. Et faites. Voilà, là comme ça rentre dans l'épiderme directement. On aura les mains propres, voilà. Comme ça. Comme ça au moins on est propre, on est nickel. Non mais par contre tu dis le mot projet, tu dis pas l'autre mot. Et de non mais t'as compris ou quoi? Ouais, bah oui. Ouais, j'ai rien à entendre de plus, ça me regarde. Je me tiens à carreau là. Moi pendant le service? Non, c'est au monsieur. Ouais. C'est participer ou... Enfin... Mais si c'est pas possible, c'est pas grave, hein. je me rattraperai. Je peux pas te parler, mec. Ne dis pas le mot, c'est projet, ok? On a parlé de projet, c'est compris? Accroche. Non, attends, je vais lui dire un truc. Je vais buter ta putain de mère. Je suis dans la tête de ma mère que tu me rappelles. Putain, j'ai fait 10 ans pour ce mec. J'ai pris 10 ans pour ça. C'est pas t'es Grenoble, j'ai quitté ma... Là, on n'entend pas. Mais c'est mon petit frère, c'est toi qui vais buter ma mère. Je suis en train de dire que je vais buter ma putain de mère. Tenez, bonne journée. Vous me reverrez pas ici, mais merci beaucoup. Au revoir. Ouais, non, t'as raison, mais je vais aller me décharger, je vais aller voir une pute. Non, mais ça, on s'en fout. Comme ça.